Anybody got them mothers that would hit you with a shoe? I had a mother that would throw a shoe at you at the drop of a dime and fuck you up wherever she was aiming. Mon père, combien de fois il m'a menacé devant tout le monde à la claquette? Les menaces à la claquette, j'en pouvais plus, je te jure, devant tout le monde. Tu connais? Elle va partir. It was bad with her shoe. She was like carry that shit like a gun. And you fuck up, my mother walk in the room was like. I didn't know I'd go. Il devait avoir des westerns à l'époque en Algérie avec des darons robeux comme ça. Mais c'était pas des flingues, c'était des claquettes. My mother would like Clint Eastwood with a shoe. Mon père aurait fumé Clint Eastwood, c'est sûr. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle. Ouais? T'es Turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. D'accord, donc Aytash, ok. C'est Aytash le vrai nom, c'est pas le diminutif de Aytashurgusburkurkurumarumirugirubirubiru. Je pose la question à tout hasard, il y a des Turcs dans la salle ce soir. Ah ouais, ah. Comment tu t'appelles? Gulum, bum bum, gulgum. Vous avez vu les prénoms de Turc, on dirait que tu démarres une bécane. Je n'ai absolument rien contre les Turcs, d'accord, il n'y a aucun problème. Mais je vous sens pas. J'arrive pas à faire confiance à des gens qui font caca debout. Vous êtes non, beaucoup de respect pour les Turcs, la communauté turque. Vraiment, j'ai énormément de respect, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Turcs, c'est quand même le seul peuple qui fait caca debout. Je veux dire, c'est pas naturel. Pourtant, les Turcs savent s'asseoir. Mais moi, j'ai assis, Aytash est assis. Ils sont pas dans les allées. Eh bien, bon spectacle tout le monde. Non, pas besoin de siège, merci. Vous êtes, quand vous allez au cinéma, vous vous asseyez sur les sièges, vous êtes pas à côté comme ça. On est des Turcs. On regarde les films, accroupite. On n'y croyait pas vraiment, quoi. Moi, le jour où j'ai dit à ma mère que j'allais faire de la télé sur France 2, elle croyait que c'était en fait entrer l'accusé, donc. Et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de prendre le métro, je serai dimanche prochain à 20h30 sur France 2. Merci beaucoup, merci. Merci. Ah, juste une dernière chose. Merci infiniment, je serai sur France 2 dans En fait entrer l'accusé. Voici une citation de l'acteur américain Burt Lancaster. Quand mes parents émigrèrent d'Irlande pour chercher fortune en Amérique, ils vivaient avec l'idée que là-bas, les rues étaient pavées d'or. Dès son arrivée, mon père fit trois constatations. Mon père est un immigré algérien qui arrive en France dans les années 60, tu sais. Et en venant ici, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il est arrivé ici, il s'est rendu compte de trois choses. 1. Les rues n'étaient pas pavées d'or. 2. Elles n'étaient pas pavées du tout. 3. Pour les pavés, on comptait sur lui. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour pavés. Cette citation est tirée de plusieurs livres, dont La sagesse des blagues, ou encore le livre Les pensées les plus drôles des acteurs. J'ai dit ça, je conduisais... Alors que fait une fille se retourne quand c'est toi qui conduis, ben soit elle dort, soit elle fait « Ah, j'ai pipi !» Et là, elle s'était réveillée, donc... Je sors de l'autoroute, je me gare... Et les toilettes, il est tellement pourri, tu sais, c'est les toilettes d'air de repos, là, tu sais, quand tu t'arrêtes pour manger un sandwich triangle. Les filles, sont quand elles faire pipi, sauf une fois, qu'elles ouvrent la porte des toilettes et qu'elles s'aperçoivent que c'est des toilettes à la turque. Alors là, on n'est plus contentes du tout. Oui, ça fait ça. Vous avez vu comment on est dégoûté quand on a envie de faire caca et qu'on tombe sur une toilette à la turque? On a envie de faire caca, on voit une porte, on voit marquer toilette, on est content, on a là, ouais, des toilettes! Le truc le plus horrible, l'histoire dans les toilettes publiques, t'es assis comme ça et tu peux pas fermer la clé parce que le truc est pété et la porte est trop loin pour bloquer avec le pied. Tu t'arrêtes dans ces toilettes là, il est tellement pourri qu'il ferme pas la clé généralement, ce toilette. Donc toi, t'es comme ça avec ta main, comme ça pour tenir la porte. Moi, la mienne, elle est pas con, elle s'accroche à la poignée, elle y va en rappel. En rappel de caca, mon frère, t'es en spéléologie. Faites caca comme tout le monde, faites caca assis quand même. Je vais aux toilettes, il y a les toilettes du resto, et sur le mur des chiottes, il y a marqué grosse salope, sus au 06 80 85 S44. Et si t'appelles, tu dis quoi? Oui, bonjour. Je vous appelle aussi la petite annonce.
Et là, tu commences à lire ce qu'il y a marqué sur la porte. Il y a des tags et tout, tu sais. Grosse cochonne, suce au 06. Il y a des gens qui ont déjà appelé, sans déconner. Oui, j'appelle, je vous ai vu sur l'air de repos. Non, non. Monter sur scène, frère, c'est un métier. Soit tu l'as en toi, soit tu ne l'as pas. Des fois, je réfléchis un peu à l'histoire. Je me dis que tous les Français parleraient marocain ou arabe aujourd'hui si Charles Martel les avait pas arrêtés en 732 à Poitiers. Ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais réussi à croire. Mais non, ils disent juste que Charles Martel les a arrêtés. Mais il n'a pas fait ça tout seul, quand même. J'aimais bien l'histoire aussi. Il y a un chapitre avec lequel, vraiment, il ne faut pas prêter attention à ce chapitre. On nous ment. C'est le chapitre concernant Charles Martel. Alors, le chapitre concernant Charles Martel, c'est n'importe quoi. En France, on nous apprend que cette armée surpuissante d'Arabes est arrivée à Poitiers. Et à Poitiers, il y avait qui? Charles Martel, tout seul. Non, mais t'imagines la scène, 30 secondes, t'as toute la cavalerie qui arrive, des centaines de milliers de soldats, ils viennent de conquérir l'Espagne. Les Arabes venaient de conquérir les trois quarts de la planète, si ce n'est plus. 12 000 robeux sur des chevaux. À l'attaque! Là, ils arrivent en France, c'est à Charles Martel, qui est planté en plein milieu du centre-ville de Poitiers. Il est là, stop. Demi-tour. Demi-tour, les bougnoules! À moins qu'il faisait du karaté, il y a des limites, quoi. Je suis Charles, je fais du Krav Maga. À mon avis, c'est pas Charles Martel qui a dû faire fuir les Arabes. C'est la ville de Poitiers, oui. Les bars ferment à 11h. On se fait recaler en boîte. On a fait au moins 3 fois le Futuroscope. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, là? Vous prenez vos cornes de gazelle, vos macroutes et vos baklawa. Vous les mettez dans le huc. Retour à Meknès. Y'a personne qui rentre au Futuroscope de Poitiers. J'espère juste qu'il s'en prendra pas au clochard devant qui je passe tous les jours quand je prends le métro. Lui, il a vraiment pas de chance. Il a ni bras, ni jambes. Le pauvre. On dirait une étoile de mer. Oh, les Roumains, j'avais pas envie de faire des vannes sur les Roumains, mais c'est pénible, attends. Il te manque un bras, coupe l'autre, égalise mon frère, égalise! Ça fera une étoile de mer, égalise! Mais c'est vrai qu'ils font des efforts, hein. Ils donnent des prénoms à leurs enfants, les noirs des fois, waouh! Ils ont envie de réussir, les mecs, hein! Des prénoms improbables, il y en a, ils s'appellent Patience, Formidable, Tendresse. Alors, c'est malin le ton du CV, hein! Mais quand t'as une tendresse sénégalaise d'1m90 qui arrive dans le bureau, je peux te dire que l'accueil est moyen. Hein. C'est quand le gars arrive, le patron il appelle un autre noir pour virer celui qu'il a en face. Bravoure! Débarrassez-moi de la tendresse, s'il vous plaît. Et s'il résiste, appelez vos cousins, pierre, feuillet, ciseaux. N'hésitez pas, vraiment, je... Monsieur, si je peux me permettre, une personne de couleur, veste en cuir, habillée comme ça, vous avez pas un prénom. Parce que les Renois comme ça, leur prénom c'est des adjectifs. Je m'appelle Prestance. Je présente mon fils, équilatéral. Et ma petite sœur, Jouissance. Ils ont des blases comme ça souvent, ouais, c'est vrai. Comment vous appelez, monsieur? Faites gaffe ce que vous allez dire, ça peut être la vanne de la soirée. S'il me sort un délire, genre... équilibre. Sorry about that. Let's do that again. You think this is a game? This isn't a game. I'm gonna call the police if you don't stop. I'm gonna call the police right now. I am. I swear I'm gonna call the police if you don't stop it. Leave me alone. No. Oh, hold on. No, no, no. Don't go. My phone bill's already too high. I'll just be a sec. Oh. Et moi, ce que j'adore dans Scream, c'est la scène du méchant qui téléphone. Tu sais, genre, allô? Oui, je suis le méchant de Scream, oui. J'ai fait une analyse très simple. Le méchant dans Scream, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier. Ça aurait donné quoi, un mec de mon quartier dans Scream? Allô? Oui, je vais tous venir vous tuer un par un. Oui. 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 Oui, j'ai pas beaucoup de crédit, là. Pour info, le PCV est un système où la personne qui appelle demande à celle qui est appelée de payer pour la communication. Hello? Hello, this is the operator. I have a collect call from... Say your name, sir. Psychotic killer. Okay, will you accept? Yeah. Go ahead, sir. Listen. Bah ça va couper, ça va couper. Ce que je fais, je te bip et tu me rappelles pourquoi je viens de vous tuer, d'accord?
Je te fais sonner, tu me rappelles pour l'adresse et tout, frère, d'accord? Allez, bisous, baba, tout de suite, je te fais sonner, bisous, ciao, 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 baba, ciao, ciao, ciao. L'humour, surtout, l'humour, c'est compliqué. L'humour, c'est compliqué, tout le monde veut faire humoriste aujourd'hui. Chacun son métier, les amis, pourquoi vous... And who got that unholy bitch Jerry kicked off of Survivor? Fuck me! Fuck me! Father! Father! This is not part of the ritual. Même moi dans l'exorciste saurais donner quoi, n'importe... Baise-moi, baise-moi! Mais sur ma vie, elle est chaude, elle est... Your mother sucks cocks in hell. Suck on this. Pareil pour l'exorciste. Ça aurait pas pu être un mec de mon quartier dans l'exorciste. On est beaucoup trop à fleur de peau. Ta mère suce des bites en enfer. Ma mère à moi. Retire de suite, retire. On n'a jamais vu de vieux nains. Non, non, un vieux nain. Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie là-dessus. C'est avec l'âge, on a tendance à se tasser. Alors, je pense qu'ils finissent tout simplement par disparaître. Et ça se trouve, il est mort, frère. Mais non, c'est un tout jeune, celui-là. Que tu connais, toi, la durée de vie d'un nain? Je sais pas. T'as déjà vu un nain vieux? Ah non, c'est vrai, ça. Bah, y a pas, frère. Malik Bentala n'était pas seulement acteur pour le film Pattaya. Il a également participé au scénario. Vous, vous vous êtes vachement impliqué dans le personnage. Énormément, énormément. Dans l'écriture, déjà. Dans l'écriture, avec Franck Gastambide. Je sais pas si vous avez vu ce que passe France 2 avant nous. Fort Boyard. Non, mais j'aurais adoré être là le jour où ils ont conçu Fort Boyard. À mon avis, il y a un type qui est arrivé qui a dit « Bon, les gars, j'ai eu une vision. » Mon émission préférée, c'était Fort Boyard, par exemple. Moi, je suis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je suis un grand fan de Fort Boyard. Mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je me pose la même question. Qui l'a inventé? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau chez France 2 et qui a fait « Ah, arrêtez tout !» J'ai une idée de malade. Donc, un fort en pleine mer, et on met des candidats. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Et là, la grande idée, autour, on fait courir des nains. Eh ben, on leur fera porter des clés. Comme on va tourner à côté de La Rochelle, pour rendre hommage à la région, dans le fort, on va mettre des tigres. On va mettre des nains avec des clés? C'est pas fini. On va mettre des mecs avec des têtes de tigres. Qui font peur et tout. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Dans un minaret, à La Rochelle, à La Rochelle. Des noms, j'en sais rien, Hatchoum, Dormeur, je... Déjà pris, bah écoute, je sais pas, il est petit, il passe partout, passe partout. Les autres, tu te débrouilles, tu déclines, passe partout, passe-temps, passe-moi le pain, je... On se prend la tête pour rien, là, faut aller aux évidences. Si on a un gros, on l'appellera la boule. Et si on a un vieux, ça sera le vioc. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain, passe-partout. J'adorais ce mec, mais il parlait jamais. Passe-partout ne parlait pas, il était toujours en train de montrer les clés comme ça. On en est où, passe? Un nain qui s'appelle Passe-partout. Ça ne choque personne en France en 2014. Un nain. Mesquine, comment ils l'ont appelé? Passe-partout! Mais il le sait déjà qu'il passe partout! Comment s'appelle le gros dans Fort Boyard? La boule! Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard! Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous! Like in the Winter Olympics, they have that biathlon. You know that one that combines cross-country skiing with shooting a gun? How many alpine snipers are into this? But ski, shoot a gun, ski, bang, bang, bang. Le biathlon, mon pote. Je connais le biathlon. Le biathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un mec. Il skie, il skie, il skie. Il skie. Il s'arrête. Il sort un fusil, il tire. To me, it's like combining swimming and strangle a guy. Why don't we have that? That makes absolutely as much sense to me. Alors d'accord, ski coup de fusil, d'accord. On n'a qu'à faire natation coup de couteau. Allez, allez. Just put people in the pool at the end of each lane for the swimmers. À la fin de chaque ligne en natation, tu mets un volontaire qui a envie de crever, qui attend comme ça. Jésus, Marie, José, Pérec. L'autre, il sort du bassin, il lui met deux coups de couteau dans la glotte. Qui vous inspire parmi les jeunes humoristes français aujourd'hui? Un nom pour terminer. Malik Bentala.